Coucou, c'est Fireflav et Oliver Plasma pour la suite du let's play de Noël sur Bilbo le Hobbit. qui veut devenir plus le let's play de Du du printemps, printemps. des petites fleurs et des petits oiseaux. Voilà. Et donc Fireflav a absolument envie de faire un défi. Et donc pour nous le défi c'est juste que Fireflav joue et réussit un niveau. Voilà. C'est un peu bateau comme C'est défi. un peu bateau. Il n'y a pas d'idée. Pas vraiment d'enjeu. Pas d'idée, pas de motivation. Mais on l'a fait quand même. Parce que les vidéos sont Mais monétisées. si. La motivation Hein, Picsou? de faire le jeu. Wow. Tiens, Fireflav. Ah, Aux commandes. je me souviens. Ah. Oula. Fichtre. Ma foi, pas moyen de revenir en arrière. Comment pourrais-je retourner auprès des nains? Je suppose que si je suis la crête de cette montagne, je retrouverai mon chemin jusqu'à leur domaine. Voilà, maintenant il faut retrouver son chemin. Ah, des loups-garous. Fireflav a-t-il gardé sa skill d'antan? Va-t-il vaincre après cette meute sauvage de loups? Soit. Comment on fait déjà pour changer d'arme? Ouais, c'est X. C'est où X? Ah, c'est le bouton gris là, sur la Ouais, droite. en même temps on est dans le noir. Ah Ouais, oui, c'est ça, le dans le bouton. noir. Ouais, il y a plein de boutons bleus aussi. Et dans le noir pour l'immersion. Oh. En même temps, trois loups, c'est beaucoup. Vous me donnez. Je peux avoir une deuxième chance, Oui. s'il te plaît? Bon, on a dit toujours au début. Ouais, on dit que moi On j'ai avait dit deux au début chances. deux chances pour Ah toi oui. et une chance pour moi, mais. Ah, je m'en souviens même plus. Peut-être que des fois, moi, faudrait que j'arrête si Ma c'est foi, trop long. pas moyen de revenir en Si arrière. j'avance trop. Comment pourrais-je retourner auprès des Mais nains? pour l'instant, le jeu. Suppose que si je suis Il la n'est pas non crête. plus si dur que ça. On n'est pas encore au summum de la difficulté du jeu. Ça annonce beaucoup de choses. Comment on c'est dur à éviter, hein. C'est aussi dur que Obélix et Astérix. Oui, c'est un jeu tiré d'un film, enfin tiré d'une œuvre à la base, pas d'un film, parce que le film est arrivé après finalement. Tiré d'un livre. Ouais, c'est... Ouais, toi. Et du coup, des fois les hitbox elles sont un peu hasardeuses. C'est un peu long là. L'agonie du personnage. Bon, plus sur Star. Ma foi, pas moyen de revenir en Oh, la arrière. caméra qui est à l'envers. Faut changer la Ah bah caméra c'est là. pour ça Ah, que j'avais des difficultés. est-ce que. Ah, la caméra diverse. Inverse horizontale. Accepté. Normalement. Ah, là c'est du bon côté. Je suppose que si je suis Bon. la Au crête de pire, tu cette veux essayer avec montagne, la vraie je caméra? Bah ouais. Que... L'objectif c'est que je m'en ennuie le moins possible aussi. Ouais. Je veux jouer. L'objectif c'est aussi d'un peu avancer. Bon là, après 35 minutes, on est toujours contre un meute de loup. C'est compliqué. On a eu le temps de donner des surnoms aux loups. Voilà. Là, je lui fais peur toujours. Ah. Ma vie, c'est bien la barre bleue? Non, c'est pas la barre bleue, Ah oui, c'est les petits c'est points rouges. l'expérience, la barre bleue. Et c'est les petits points rouges. Et donc, quand tu récupères des champignons, tu gagnes de la vie. Eh ouais. Voilà. Je devais le savoir la dernière fois, mais là j'ai oublié. Ah, ça fait en même temps 3 mois. Ouais, c'est l'espèce de Noël. Oui. Bon, je sauvegarde. Oui, petite sauvegarde. Ça fait pas de mal. Avec le petit bruit. Ouais, Attention, un peu de plateforme. ouais, c'est vrai. De la On plateforme s'accrochait. millimétrée. C'est pas très dur. Oh, c'est pas très dur. Mais je suis pas mort. Ah, ça.
Oh là là, oh là là. Je pense qu'il est du courant après. Oui, c'est une cascade quoi. Il y a encore une sauvegarde, mais non, ils sont généreux. Ils sont généreux aussi en vie. Beaucoup de vie. Oui, là, ouais. C'est vrai que le niveau d'avant, ils étaient un peu moins généreux quand même. Tu as réussi à m'accrocher, eux ? Non, non, c'est trop. Regarde, saute un petit coup, voilà. il fait un saut de Lilliputien, c'est pas possible. Voilà, de sauvegarde. 30 secondes après. On a beaucoup de doutes sur notre skill. Tiens, faudra mettre le chronomètre. Tu peux mettre un chronomètre pour chronométrer la vidéo ? Bah il fiche. Puis on rajoutera 10 minutes. Mon téléphone. Oh. Oh, voilà, c'est parti. Alors voilà, on fait un speedrun, hein, tout à fait. Hein, tout à fait, Bernard. Parfait. Fireflav, c'est vraiment un pro du crochetage. Oui. Et là, il y a peut-être quelque chose en haut. Là, ouais. C'est quoi cette plateforme là en haut? On peut s'accrocher. En face, c'est la merde, non? Aïe! Ça passe. Il aurait pu perdre de la vie, mais il n'en a pas perdu. Ça. Parce que rappelons-le que Bilbo, quand il saute à plus de 2 mètres de haut, il peut se faire mal. Oula, c'est en bloqué des trucs. Oui, ouais, oh non. Salut. Au revoir. Plus il laisse bien la séquence son émotion. Ça dure hyper longtemps. Bon, celle-là je t'avais bien avancé. Oh, merde. Ça commence bien. Skillman. Ouais, du coup je t'ai pas trop suivi, t'as sauté par là. Ouais, j'ai été en bas là pour le coffre. Oui, le coffre. Mmh. Ah, tu peux descendre ? Ouais. Hop. Tout, 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 tout. Allez, descends, mais pas trop vite. Hop. Voilà. Mandez. Oula. Voilà. Le fric du pognon, l'argent des abonnés. Ouais, 760 abonnés fois 5 euros. Faites-nous un don de 5 euros. Pour le nouveau background de la chaîne secondaire que vous ne connaissez pas. Ah oui. Faut pas en parler directement de ça. Ah mince. Ouais, tu couperas. Non, c'est pas grave. Ça serait un teaser, tu vois. Un trailer. Il en a parlé pendant une vidéo. Attention. Une saga MP3 qui va commencer d'ici quelques mois. Fireflav est très emballé par ce projet. Je sais pas, j'écouterai peut-être dans mon lit avant de me coucher. Alors pourquoi il y a une pierre là? Qu'est-ce que ça fout là? Il y a forcément une idée de level design. Parce qu'il peut y avoir une pierre avec une texture assez moche comme ça en plein milieu. Et voilà.
faut la mettre là-bas. Ah, c'est vraiment utile de récupérer des coffres parce que. Bon, ça va faire beaucoup de let's play. Ah, c'est vrai que si on récupère tous les coffres. L'idée, c'est surtout de faire découvrir un jeu. Pas de faire des records. Hein. Des records de. Faire le jeu de collecte. De collecte. Ah, c'est un speedrun 100%. comme on le dit déjà. Il y a les Taz à 100%, tu vois. D'accord, c'est un Taz. Ouais. Parce qu'en fait, un Taz, c'est un speedrun fait par ordinateur, frame par frame, et du coup, il n'y a aucune erreur d'exécution. Mais bon, ça doit être chiant à faire. C'est mieux de le faire à la main, quand même. Et donc c'est impressionnant, mais voilà. À faire, ça doit être chiant. Tchou, on voit un gros diamant en dessous, tu vois. Est-ce qu'on on récupère? Je sais même pas comment. Bon, on s'en fiche. Oui. C'est trop long. C'est de l'XP quand même, mais bon. Ouais, mais c'est pas l'objectif. Tu feras une partie de ton côté si tu veux. On peut pas revenir sur les niveaux. Oh, putain. Putain, mais on voit rien là. C'est quoi cette caméra? Ah voilà. On faut pas courir. Ah purée. Comment ils veulent que je fasse là? Putain. Allez, comme ça. Là. Je crois que je pouvais pas trop passer à côté des rochers. Y'a déjà une sauvegarde. C'est quoi ce niveau? Je me souvenais pas qu'il y avait autant de sauvegardes. Mais il vaut mieux sauvegarder, on sait jamais, on peut se planter. C'est vraiment le let's play hyper safe. Hein. Ah. Cinéma. Cinématique. Ah oui, ça, on se souvient. Il y a des golems qui balancent des rochers. Beaufur l'a envoyé chercher du bois. Il n'est pas revenu, alors tant pis pour lui. Il n'est pas très utile. Je l'ai amené, et je n'emmène jamais rien d'inutile. J'espère que ce cambrioleur est plus habile à éviter les coups qu'à trouver du bois. C'est des bâtards quand même. Mais du coup là. Ces géants de pierre me jettent des rochers. Je dois faire vite. Certains bonus qu'on fait temporairement, oui, ça c'est. C'est les cailloux magiques. Il y a les cailloux boules de feu, tu vois. Putain, il y avait un ennemi là. Ouais. J'ai détruit un peu. Hop, regarde, t'as eu. Ouais, c'est pas mal. C'est puissant. Merde. Si j'arrive à viser. Ah, je sais plus que les cailloux classiques là. Oh putain, par contre, ça devient assez chaud là. On va monter un petit coup. Sur la fin des niveaux, il y a un peu moins de plateformes et un peu plus de fight. Ouais, un peu plus de fight. Ouais, mais je trouve ça pas mal la plateforme. Mmh, ouais, je ne sais pas. Mmh. Oui, très bien. Je ne suis pas très emballé, mais. Il peut se passer quelque chose. Hein. Voilà. Vite. Voilà. Parce que ces cordes-là cèdent au bout d'un certain temps. Mmh. Fais un peu attention. Bon, on peut sauter là. Yeah. Ce pilier a l'air fragile. Je pourrais peut-être m'arranger pour que l'un de ces géants de pierre me fabrique un pont. Ouais, ouais, merci. En vrai, ce genre de truc, on aurait pu mettre des heures à trouver. Ouais. Ah, il y a une sauvegarde derrière, je l'avais pas vue. Merci, cinématique. C'est pour les joueurs qui mettent 3 ans à trouver l'astuce des golems pour faire le pont. Bon, enfin... Il dit l'astuce là, il a fait un peu son astuce de chez jeuxvideo.com quoi. Géant de pierre, merci de me faciliter. Ah, puis ils sont plus chiants eux. Ils sont costauds. Ouais. Ouais, ouais, mais... ils sont différents, ils ont une barbe. Ouais. Un poil différent. On dirait plus des caniches un peu.
Bam. C'est mort. Ah, ça rame. Ouais, ça rame un petit peu quand il y a des effets spéciaux. Trop de JPEG. Ah tiens. Voilà, lui aussi. Ouf. Oui, cinématique. Oh. Je sais pas s'il faut vraiment aller là. Mais... Est-ce qu'il y avait plusieurs passages? Ah, on pouvait aller en bas, mais purée, il y a plein de loups. Oh là là, oh là, là. Je sentais bien. Ah, c'était obligé ça. Je me casse. Je rentre à ma maison. Je... Affiche. Purée, mais on voit rien. Oh là. Oh là. Oh, ce bordel. Là, c'est Total War. Il y a de la stratégie là, tu vois. Ouais. Je peux pas. Ça serait bien qu'on puisse faire un appel au nain là. T'as un bonus, appel au nain, et il vient me fighter avec toi. Appel le nain au 36-36. Non, mais c'est vrai, ça aurait été un truc à développer. Je vois, je vois. Oh merde. Oh, c'est noob. Putain, le rocher là. Ah, ça, ils sont quand même généreux, Roby. Mais faut quand même, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Un rocher, ça nous fait perdre 3 boules rouges là. Le rocher, ça fait tout perdre. Ouais, si je calcule bien. C'est bien. Ouais, ils sont quand même assez généreux en champignons. On a quand même des potions sur nous, mais. Ouais. Le temps de les utiliser. Ouais. Ouais, j'aime pas trop ce temps. Non, non, c'est pas. C'est trop de risques. Ah purée, attends, il y a des champignons. Hop. Champi, c'est la vie. Ouais. Ah, du coup, là. Ah, il faut essayer comment que ça marche, ça. Ah, comme ça, avec le bouton L. Yes. Ouais, ça, j'ai... C'est pas pratique. Il y a beaucoup de loups, là. Ça fait peur. Allez, hop. Alors, le timer. Ça doit faire un quart d'heure en tout. En rajoutant en 4-5 minutes. On ouais. Va pas chronométrer. Enfin, on va pas vous parler du timeline. Hein. Du timeline. du chronomètre. La timeline. Vous l'avez déjà c'est... sûrement sur la vidéo d'ailleurs. Vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez. S'il y a des passages qui vous plaisent pas. Si ça traîne trop. Bon, c'est pas un speedrun. Hein. Ah mince. Le rocher m'a l'air bien mince. Ah ici. Ah ouais, ok. J'ai même pas vu. Ouais. Heureusement qu'il l'a dit en fait. Je lui ai dit ça plusieurs fois. Purée. Ça c'est à peine visible le machin. Oh merde. C'est que ça. Une espèce de mini gobelin. On dirait des passe-partout. Moustique. En plus, avec la petite musique. Les petits moustiques. Merde. Prenez votre moustiquaire. Putain. Oh. Oh, ils sont grave chiants. Faut plus prendre le bâton pour avoir une bonne allonge. Mais tu vois. Putain, c'est pour ça que des fois, faut prendre le bâton. Ah, comme ça. Faut avoir flamme et capote. Il a été lessivé par le match. Ouais non, c'est juste pour des bonus. Oh non, le fais pas, ne le fais pas, on va perdre 30 secondes. C'est-à-dire là, on sera encore au Let's Play Noël yes. 2020 sur Bibolobit. Ah, qu'est-ce qui se passe dehors? Allez quoi, il y a des loups, tout ça. Mais attends, il y avait encore un autre passage. C'est pas linéaire ce jeu, attention, c'est pas Uncharted. Non. C'est juste pour des munitions. Ah non. Il y a vraiment quelque chose. Ah oui, bah là c'était où il y avait les loups. Ouais. Ah oui, par contre, faut pas tomber quoi. Putain. Putain. Faire la technique du bâton. Ouais. Bâton de berger.
Hop, hop. Hop. Putain, il y en a plein. C'est que le bonus en. Ah, expert en saut bateau. L'attaque sautée est une tactique de combat redoutable. Elle fait plus de dégâts aux ennemis que les attaques au bâton normal. Elle repousse aussi chaque ennemi dans un court rayon, ce qui éloigne de vos adversaires, machin. Appuyez sur B en sautant pour exécuter cette manœuvre. Pas trop dur. Ah. Ok, je suis l'expert. Vas-y, fais-le là. Non, mais attends, on va pas le faire ici, vieux. Là, faut re-sauter là-bas, là. Déjà. Yeah. Oh. Donc, c'est quoi? Je sais pas ce qu'il fait en plus. Il n'a pas un troisième coup quand on tape. Ah non, c'est plus tard ça. Je sais pas ce qu'il fait vraiment de plus là. Parce qu'il fait ça, ouais, mais je crois que ça fait plus de dégâts maintenant. Un truc du genre. Parce que ça fait une lumière différente d'avant. Tu vois? Ouais. Et alors, si je fais avec ça. Ouais. J'ai l'impression que le JPEG est moins gros, tu vois. Mmh. L'effet. Je suis un expert du bâton de berger, quoi. Ouais, mais je préfère quand même reprendre l'épée là. Quoique. Ah, il y a un pont qui va s'écrouler là, j'ai l'impression. Ouais. On va avoir une cinématique. Ouais. Putain, si j'arrive à. Oh, je vais peut-être jouer. Je vais peut-être jouer. Ah, on t'est vraiment trop bon. Oh là là, c'est le bordel. Il est pas là-bas. Il meurt quand lui? Ah. Ah, la musique épique. Ah bah il y a un chargement. Vous avez tué le vieux loup. C'est génial ce jeu. Ouais. Il manque des pièces. Une énigme à la Silent Hill. Et un environnement un peu à la Silent Hill. Ouais. Donc juste une femme écartelée, puis c'est bon. Ça fait horrible. Gros plan. C'était le moment sauvegarde. Ah. Non, enfin avancé dans le jeu. Il se passe des trucs là. Là on est en avant ou après même les. S'il y avait un autre chemin, c'est pas grave, moi je passe par là. Après la ville des gobelins, on est avant ou après? La ville des gobelins? Ah ouais, c'est après. Non, c'est après, dans la avec grotte des gobelins. Avec le roi gobelin, ouais. Ah oui. Là on est avant. Alors... Parce que après on va être dans une espèce de mine là où il y a des gobelins qui travaillent là. Voilà. Les ouvriers. Ah non, des mineurs. Tout simplement. Oui, mais. Je me fais maltraiter. Oh ya. Oh ya. Elles sont plus qu'une petite merde comme ça. C'est drôle. C'est épique, hein. Il y avait tel pommeau d'or. Le pommeau d'or. Putain, ça fait au moins 10 minutes que j'ai pas joué. Désolé. Mais bon, c'est le jeu. Ah, j'aime ça. On est à 20 minutes de vidéo environ. Yeah. Un peu de fric. Picsou. Wouhou. Le peu manger, non. On peut parler de ta vie privée dans la vidéo. Non, pourquoi? Je voulais savoir, c'était quand que tu déménageais? Parce que j'ai peur de... J'ai oublié de te le demander avant de partir. Le 12 mars. Que j'ai les clés. Oui, ouais, mais ouais, j'ai les clés, je sais. Oui. Après, ouais, déménagement, c'est... Ouais, je sais pas. Ouais. Je serais bien installé au mois de... Ouh. Ah, je pensais le jour. Je serais bien installé au mois d'avril, quoi. Ah oui, oui. Voilà. Après, ouais, tu peux prendre ton temps. Sur plus de vidéos au mois d'avril. C'était le premier trailer. La mise en bouche. Ah, on peut. Tu pourras plus être interrompu par des personnes tierces. C'est ça. Des animaux. Oui. La famille.
Bon, ce sera un peu moins drôle aussi, j'imagine. Mais... Je pourrais faire des lives. Meilleure connexion. Bon, ça sera pas une connexion de fou non plus, mais ça sera du vrai ADSL. et non l'ADSL de campagne que j'ai pour l'instant. Voilà. Je suis obligé de passer par mon téléphone qui fait de la 4G. Ouais, ça fait vraiment le clochard du net. Voilà. Oui. C'est quand même à chaque fois stressant. C'est pas dur, mais c'est tellement pas maniable que on galère pour pas grand chose. Ah, mais là c'est haut. Enfin, c'est trop haut. Je crois que ça me semble vraiment haut. Oh. Non, ça. Si j'avais un problème de perspective. Voilà. Je me rends pas compte du truc. Voilà, donc là on a trouvé des trucs pour Silent Hill là. Je sais pas si on a tout trouvé. Mais je crois que je me souviens que le jeu il est pas. Il est quand même assez linéaire et on se perd pas trop. Hein. Mm. Et voilà, là on voit que les rouages, etc. là, ils sont un peu sur notre chemin et. Pourquoi ça s'ouvre pas ça? Enfin voilà. Il a pas lancé la cinématique. Il a pas lancé la cinématique. Peut-être qu'il faut revenir. Non, non. Non, en fait, c'était ça, en fait, la porte pour les rouages et le machin. Et du coup, ouais. Faut revenir. Ça, faut revenir. Quoi. C'est vrai qu'il y a des allers-retours, quelquefois. Comme dans le niveau 1, dans le village. Voilà. Oh, on fait à l'arrache, là. Ouais. Voilà. En dessous, là, il y a des trucs. Voilà, je suis en trop du bâton, t'as vu. Et attends, c'était quoi le trou là-bas? Il y a un passage là. Ah non, j'ai cru voir. C'est juste une texture un peu plus éclairée que les autres. C'est le début du ray tracing. Alors, ça gère un peu les ombres, hein, vous voyez, hein, sur la GameCube. Attention. Attends, on est pas passé par là, purée. Ah bah y a un truc là-bas. Voilà. Il est content. Ah bah ouais, ça souffle tout seul. D'accord. Ah voilà. Ah c'est cool, on a une petite potion de soin. Et par contre, du coup, faut revenir ou... Ah non, là on peut... On peut continuer comme on a fait avant, et je pense que là, c'était la porte de tout à l'heure, là, qui s'est ouverte. Voilà. Tu sais, la porte en pierre, là. Ouais, c'est ouvert, toi, on peut revenir au... Ouais. Au petit mot... je sais pas combien de sauvegardes va y avoir sur cette vidéo. Mais le problème de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas des checkpoints. Il n'y a pas des checkpoints rapides. Les checkpoints, c'est que les sauvegardes, en fait. Ouais, je sais, ouais. C'est un peu à l'ancienne, quoi. Ouais, c'est ouvert. Ouais. Maintenant, on est déjà allé, là. Ah oui, c'est bizarre. Ah oui, je suis perdu. C'est un peu, ouais, déroutant, ce niveau. Ouais. La déroutance. Ah, voilà, sauvegarde, mais j'ai la flemme. Ah, il y a encore une sauvegarde. Ah, mais c'est celle du début. Je crois que je vais appeler cette vidéo Sauvegarde Land. que... Sauvegarde Moment. Ouais. Peut-être mettre une petite musique à chaque sauvegarde. Attends, c'était quoi déjà la musique dans la Clio là? Dans la Clio. Dis Clio 5 parce que Clio, les gens Clio vont penser 5. Que j'ai une Clio 2 toute pourrie quoi. Mais non. Faut que je la recherche. Ouais. Je sais plus, c'est pas un mec qui porte un chapeau de cow-boy là. Ah, y a une musique épique, attention. T'as entendu le tim tim? Ouais, on va voir un moustique ou. Et là ça fait un chargement, il s'est rien passé. C'est pas du tout la tournure que tout cela prend. Ouais. Ah. Ils sont au même endroit encore eux. Toujours en discussion. Les gobelins ont pris ces bâtiments aux nains il y a longtemps.
à présent toutes sortes de villes créatures et villes. Bon, on est dans la mine, là, non? Non. Non, c'est pas encore la mine, ça. Oui, bêtement, non. Je pars seul et je vous laisse sortir d'ici. Enfin, c'est le début, peut-être. Il est possédant, lui. Non, mais c'est... C'est pour que le jeu soit... Voilà. Moins linéaire. Ouais. Alors, un peu de liberté, voilà. J'aime pas comment ça s'appelle, cette musique. Je retrouve plus l'air musical, tu vois. Moi non plus. Ça m'énerve. C'est une musique de pub. On va mettre Hit 2010. Hit 2011. Rire et chanson. Voilà. Avec l'humoriste qui est pas drôle, là. À la fin. Hit. C'est français, en plus, non? Je crois... Je sais pas, il faisait un... Je sais plus. Je sais plus ce que c'est exactement, en l'air. Et je crois que c'est passé... Oh, je fais tomber. Je crois que c'est passé à une pub. Enfin, en tout cas, ça fait tellement musique de pub. Pub de voiture. Moi, je dis 2013. Je sens que c'était en 2013. Ah, 2013. French Hits. Section d'assaut, problème d'adulte. Ça. Ah, c'est ça? Ah non, c'est pas ça. Non, ça ressemble, mais... Arrête, maman, ne t'en mêle pas. Ouais, ouais. C'est Black M. C'est Black M. Vas-y, Black M, là. Je fais péter le son. Je pense qu'on a... Tu vas mettre Joule. On a perdu tous nos abonnés. Vas-y, abonne-toi, frère. Attends, j'ai mis... Ça ressemble à peu à ça. Il a trouvé. La vidéo est partie en cacahuète. Mais bon, Bibo fait son bonhomme de chemin. Voilà, il avance. Garde la manette en main. Garde la manette en main. Moi je mets l'ambiance musicale. L'ambiance musicale de Fire. Fireflav est un comédien, hein, vous savez. En réalité. Il est assez connu, hein. Il fait des films d'action. Mais voilà, je préfère pas dire qui c'est. Non, dis juste que je suis figurant entre moi et tu vois pas de quoi. Ah bah, ah ouais, putain, je vais avoir la manette. Bon. Oh purée. Ça sauvegardait quand? Ah ouais, ça c'est là. Oh bon, ça va, tranquille. Regarde, tu prends le petit truc là. C'est à moi, hein. Voilà, et hop, voilà. Levé de cuivre, tu appuies sur B ici là. Non, appuie sur B là. Ça, il descend un truc, je sais plus ce que ça fait, mais... Ouais, voilà. Une plateforme. Hop. Prends un petit engrenage et voilà. Et on est bien. Et voilà, hop. Puis c'est peu de temps après que je me suis viandé comme une merde. Et c'est où le... Là où on met les engrenages, c'est ici? Non, c'est encore après sans doute. C'est... Ouais, t'as vu, il y a un engrenage plus loin. Là. Et c'est par où? Non, derrière. Parce que là, c'est la sauvegarde. Donc, c'est... Faut avancer à gauche. Faut... En face, là. Il est perdu. Là? Non, à droite. Là? Remets la caméra, voilà. Ici? Là. Oui. En fait, je suis tombé parce que en voulant prendre encore un coffre à la con, là. Ouais, mais non. Laisse tomber. C'est pas mon style. C'est pas mon style. Prendre autant de risques. Ouais, je... non, c'est juste pour un diamant, ça. Un diamant de merde. Là, il y a tout ce qu'il faut, les rouages. Voilà, ça c'est les rouages et les mécaniques. Hop. C'est sûr, notre chemin. De ces étranges engins. Et il lui manque aussi des pièces. Ah oui. Il lui manque aussi des pièces. Wesh, il lui manque des pièces. Non, le bois, non. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Ça fait un bruit de grenouille. Ouais. Bon, alors. Le petit troll, tu vois, il te met à côté comme ça, pour que tu galères. Si ça peut dire que c'est la grande difficulté. C'est tout? Bah, il reste encore quelques trucs, donc faut un peu voyager. Faut... Alors, le voyage. Voyage! Plus loin que Bilbo le Hobbit. Voyage! Oh! Wow, technical.
Par contre, là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire le coup du bâton derrière. Oh purée, c'est dur ça. C'est comment déjà? Non, mais pas là, derrière toi. Ici. C'est L et A. Et par contre, faut avancer aussi en même temps. C'est où L? C'est à gauche. C'est à gauche, oui. Oui, est-ce que t'as eu déjà une manette de PS2 dans tes mains? Oh putain! Allez hop! Je sais pas pourquoi il brille par contre quand il meurt dans l'eau. Petit bug graphique. Le levier du cuivre. Et là il n'y a pas de truc là. Ah, y a une... Oh purée! Ah non, c'est que du fric! C'est que du fric, on s'en fout, on n'est pas Picsou non plus. Voilà. Je suis le plus riche de Canardville! Yeah. Y a pas un truc au-dessus là? Putain, là je me prends pour Assassin's Creed là, mais. Bon, Assassin's Creed dans Bilbo. Ça va pas trop faire bon ménage. Non mais non, ça c'est connu, Firefly. Bah non mais je mets ça. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Les droits d'auteur vont arriver. Ah, je reconnaissais pas le nom des chanteurs. Voilà. Et j'ai sauté trop loin, c'est quoi ces plateformes? Non mais ouais, bah c'est à moi de jouer. Non mais on va continuer. On respecte même pas le défi, ça se meurt complètement aux couilles. Ouais parce que faut avancer en fait. Parce que faut finir le niveau et là il est. Putain, 30 minutes. C'est compliqué, tu vois. Si on aurait fait un live, vous aurez peut-être trouvé la chanson à laquelle nous cherchons. Non, on n'a pas trop précisé quand même. Et surtout que. Putain, je me souviens plus de l'air musical. J'arrive plus à m'en souvenir. C'est tellement incroyable comme chanson. C'est une chanson de Winner. Et ça chantait en français, tu te rappelles ou pas? En anglais et en non, français. C'était en anglais, je crois. Tu en anglais. Ah, mais il y a une autre chanson où c'est. Je garde mon style, toi t'es mon style, yeah yeah. C'est ça aussi. Ouais, je la connais, c'est avec le noir. Il y a un noir avec un chapeau de cowboy qui chante ça. Et voilà. C'est trop drôle. Moi je garde mon style et toi tu gardes ton style. Yeah. Ah oui, je me rappelle. Come on. Attends, je vais mettre ton style. Oh là là. Ça me met ton style de meuf. Ton style. Ah putain, mais j'ai fait L&A. C'est compliqué ce passage. C'est quoi? C'est une annonce. Ah oui, la musique, ça ressemblait un peu à la musique dans la voiture. Hein. L'annonce, c'est tellement fou comme musique. Alors, je pense que c'est du Steamen. Mais je pense pas que c'est sa fille. Et quel titre après? Moi je suis en H+, c'est capté pas. Oula. Voilà. Bouygues. Ouais. Ouais. Bouygues, c'est un peu yo-yo. Hein. Des fois il capte, des fois il capte pas. C'est Bouygues. Voilà, une bonne pub pour Bouygues cette vidéo. Un autre de voilà, tac. Tac, tac, tac. Mais ça c'est bon. Ça c'est bon. Oh yeah. Oh yeah. Puis je vais tomber la manette. Voilà. Quel broutage magnifique. Ils ont déplacé un chariot élévateur. Ou... chariot élévateur. Ou un caddie plutôt. Un caddie en bois. J'imagine bien le mec charrette. Qui prend les bruitages un peu partout dans... Il prend une charrette. Ça va faire un bruitage pour Bilbo. Je suis toujours en H+. Qu'est-ce qui se passe? Ah là, c'est le téléphone qui veut garder le suspense. Le pire, c'est que j'utilise
L'internet et c'est payé par la boîte. Il y a déjà le diesel qui est payé par la boîte. J'espère que mon responsable regarde pas la vidéo. Le pire c'est que tu sais le Oliver Flav là, ouais. Le compte. Ouais. Et ben, j'ai téléchargé Outlook avec l'ordinateur de ma boîte. Ouais. Et donc c'est un peu lié. Cette vidéo ça va être une perle sur la chaîne. C'est Black M, mais je pense pas que c'est ça. Encore Black M. La légende de Black, c'est... Voilà, c'est... C'est les Goodfire. C'est Black M, ça. Oui. Ouais. Na 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 na. Ah. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, on a retrouvé au moins le style. À côté du micro. Dans la, les tout au fond, je sais pas ce que ça va faire comme son. Ça fait que les... Vous connaissez ? Non mais si, c'est celle-là. What a long time, what a long time. C'est ça. Voilà. Le pire c'est que c'était sur regarde la chanson. Renault Clio, le 0 à 100 en seulement 12 secondes. Bon, vous êtes trop dévoilé de choses sur ma vie privée. C'est plus juste, c'est juste un délire. What can I do? What can I do? Hey, il danse, hein, regarde. What can I do? Ouais, bah, je savais que ça chantait en... ça chantait en anglais et en français. Ouais. Ouais, oui, t'avais raison. Notre style. Oh, purée. La catastrophe. Et là, je trouve qu'il faut sauter. Ça sent... Bon, voilà, on a eu un petit problème technique avec Fireflav. Yes. Alors, il s'est trompé. Il a appuyé sur le bouton pour que le micro arrête d'enregistrer. Ouais, je sais pas pourquoi il existe ce bouton, ça m'énerve. Et du coup, on va commenter ce qu'on a fait. Mmh. Ça a coupé à partir de 43 minutes à peu près. Effectivement. Donc on va faire des transitions, on va commenter ce qui s'est passé, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Enfin, tout simplement. Parce que je vais pas mettre la suite de la partie sans commentaire. C'est un peu naze. Donc voilà, donc là on a continué à faire notre petit bonhomme de chemin. Donc, alors je vais me mettre à... Hop, à 50, voilà, 50 minutes pile. Donc là, voilà, on a ouvert un pont-levis. Que, hop, on le traverse. Le petit bruit de chariot qui va bien. Là, il va y avoir un combat épique. Combat épique contre les petits lutins. Des moustiques. Les petits moustiques. Avec une skill peu commune. Voilà, c'est moi qui joue. Voilà, donc on galère quand même. Tout ça pour récupérer la clé qui est énorme là derrière. Oh bah, petite technique, hein, évidemment, choper les cailloux, hop. Les attaques à distance, ça, c'est assez puissant contre ses adversaires. Voilà la clé troll. Voilà, plus tard je me suis viandé, parce qu'on peut se viander sur les coffres, évidemment le crochetage, et on peut être empoisonné. Parce que voilà, là, je vais utiliser un antidote, enfin, le classique. Hop, on va passer un peu après. Tac, faut mettre les moments marquants. Alors. C'est marquant, il a reçu une... À 52 minutes 45. Voilà, donc là, toujours un petit moment de plateforme avec les cordes. Oh, c'est pas marquant du tout, ça. Et c'est le magnifique fail avec la musique. Il faut pas dire ce que c'est direct, faut pas spoiler. Ouais, je mets un quart d'heure à mettre la musique. C'est la deuxième fois, en fait, qu'on enregistre comme ça. Ça avait pas enregistré avant. Hey, mais regarde si ça enregistre, là, au moins. Et là, c'est le fail. Ouais, c'est trop tard.
Et voilà. Firefly n'a pas eu le temps de mettre cette fameuse musique. Il y a la pub qui se met. C'est bon, là, ça enregistre, là. C'est bon, je suis revenu. C'est bon, c'est un gros fail. Au pire, je ferai... Dans le montage, je mettrai la musique. Ça n'a ni queue ni tête, c'est lié. Alors, on avance. C'est quand le moment avec Gandalf, là? Allez, Gandalf. Ah oui, vraiment, ce moment-là, là. Ouais, voilà, ça, c'était le moment. 55 minutes 5. Le fight avec Gandalf. Le fight avec Gandalf. Oh, mon Dieu. Attention. L'animation de Gandalf. Et là, faut... Non, que... faut pas le dire. Ouais. Ils sont là, les grosses racailles. Ouais, et là, c'est Fireflav qui est aux commandes. C'est un peu trop tôt maintenant. Ah, c'est bon. Regardez-moi cette animation. L'animation de Gandalf. Ouais. Je pense que la pauvre intelligence artificielle, elle doit avoir honte de diriger un personnage comme ça. Ouais. C'est... J'ai l'impression de voir Gandalf qui fait une attaque toupie Beyblade, tourne sur lui-même. C'est une figurine. C'est une figurine. On voit pas, mais il y a une main qui maintient cette figurine. Évidemment, elle a été enlevée pour plus s'y croire, voilà. C'est un enfant de 8 ans qui dirige Gandalf. Et voilà, il dit « Gandalf, attaque éclair !» Voilà, là, il va faire sa petite attaque sur le rocher, voilà, c'est fun. C'était 10 fois mieux avec les commentaires plus naturels. Les montagnes de brume sont remplies. Après, Gandalf, il va piquer un petit roupillon et... C'est-à-dire... Si on entend un bruit, là. Gandalf qui pique un roupillon. C'est une figurine qui tombe par terre. Puis elle se retourne, la figurine. C'est cool. Ouais. D'accord. Ouais. Mais bon, on va passer ce passage magnifique. Après, il y a eu le nain. Ah, le nain, très important. Donc là... Ouais, faut tout passer, là. On passe même les araignées. Ah ouais, ça 58 minutes 30. Bien, le voici, votre fichu bois. En fait... Non mais là, on vous laisse... Découvrir. Alors là, je repasse le dialogue plusieurs fois parce que c'est rigolo. Oui. C'est bien, mon garçon. Et donc, ça nous a fait penser à la phrase aussi de Gérald de Rive. À l'envoyure. Avec un peu plus de charisme, ça aurait été mieux. Mais... C'est pas grave. Alors, voyure. C'est bien, garçon. J'ai un peu la voix en. Cassé. Ah, d'habitude, c'est le plutôt là. Le soleil est couché. Il est temps d'établir le campement. Il est temps d'établir le campement. La voix enrouée. Voilà, donc là, ils vont se faire capturer par. Ah, non, il n'y a pas encore. Spoil! Voilà, là, on s'en fiche, Firefly a fait ses emplettes, il a acheté des trucs, on explique même pas, on a déjà expliqué. Alors, on s'est fait le plein de stocks d'antidotes et de potions. Voilà, rien d'intéressant. Voilà, alors, tech, 1 minute 30. Je peux expliquer. 1h30. Alors, lorsqu'ils dormaient profondément, les nains se sont fait kidnapper par les vilains gobelins des monts brumeux. Seul Bilbo resta sur place. Il se retrouvait tout seul dans le noir, seul, dans la pénombre, seul. Quand il se réveilla, il était seul. Quand ambiance. Il se réveilla, il était seul, très seul. Il explique avec le, le sous-titre, quoi. Là, on mettait une musique triste, normalement, mais... Oui, enfin... On veut pas en faire trop. Ouais. Tu. Working on star, working on star. Oui, musique triste. Le chargement, purée, il met 3 plombs au chargement. Oh, encore perdu. Tac. Ouais, là, on était contre les chauves-souris. Ça, je me souvenais pas du tout de ce passage. Je leur dis. Voilà.
C'est... Moi je croyais que ça passait direct avec les petites araignées là, les araignées gilets verts là. Du coup, tac tac. Voilà, donc pour ceux qui, qui veulent voir un peu de Solus, qui sont un peu bloqués dans le jeu, pour avoir les chauves-souris, voilà, vous sortez les cailloux et ça fait le taf. La skill. Alors on va passer ce passage, tac. Et ça c'était à 1h03. Hein ouais. Je le dis pour moi. Pour le montage. Encore une sauvegarde, bon, sauvegarde de la famille. Tac tac, qu'est-ce qui se passe après? Ah voilà, là c'est les araignées, 1h04 et 55 secondes. Fireflav, regarde, c'est... Je sais pas, il navigue sur internet. Il se fait chier. Voilà, donc là, un petit moment sympa, mais sauf que c'est moi qui joue, donc voilà, Fireflav est déçu. Il aurait bien voulu avoir la manette. Et voilà, on se fight contre des araignées. Il se passe quelque chose. Il n'y a plus trop de plateforme. Hein. C'est un peu du beat'em all. Voilà. Allez, 1h06 et 10 secondes, voilà, on a eu un espèce de petit bug avec les araignées. Voilà, qui esquive très bien les balles en caoutchouc, voilà. C'est, enfin, les cailloux. Un peu comme les gilets jaunes qui esquivent bien les balles en caoutchouc des CRS. Hein. Enfin, je sais pas s'ils esquivent vraiment bien en vrai. Il y a eu quand même des blessés. Ah, putain. Ah voilà, là, il va y avoir la grosse araignée là. Bon. C'est une skin qui j'utilise assez rarement pour l'instant. Non, c'était pas là. Ok, cool. Ouais, voilà. Voilà, donc à 1h07 et 5 secondes. C'est fun. Que s'est-il passé à ce moment-là? Un antidote. Ouais, bah, on a recommandé une grosse araignée. Voilà. Ah, on montre un peu le level design, il y a du travail. Voilà, donc on va passer. Ah merde. Donc on va passer ce passage, tac. Ah, ah voilà. Là, on rencontre un nain, 1h09 et 20 secondes. Un nain qui est emprisonné par les gobelins. Gobelins qui sont un peu des figurants, voilà, ils sont en fond, ouais. C'est le background. Un nain? Bonjour, je ah, suis ils écoutent pas. Quoi. À votre service. Je suis Balfour des collines du fer. Je vous séguerai de vouloir m'aider, mais me libérer. C'est dommage parce que du coup, on est moins dans l'ambiance, quoi. Avec ces incohérences visuelles. Ouais, c'est bien. Descendez ouais. Dans les mines et trouvez une grande porte. Achetez Upslap, le gardien, et il ouvrira. Ah, voilà, on vous laisse quand même les cinématiques, hein. On va pas faire. On va pas bâcler le truc. Lorsque j'ai fini de travailler à la mine, libérez-moi et je vous aiderai à fuir. Voilà, donc là il va y avoir un magnifique fade de fire. Le petit suicide. Bon alors je vais pas le remettre devant moi mais je vais vous le mettre dans le montage. Après c'est... Là, c'était moi qui... Ouais, là c'est moi qui ai la manette. Qui ai la manette. Ouais. Je suis fatigué. Ah c'est toi qui as la manette à ce moment-là? Il me semble. Je crois que j'avais galéré à ce moment-là. Ah non, c'est moi, c'est... Ah non, non, là, c'est... Ouais, ouais. Non, c'est toi. Parce que t'as presque plus de vie. Attends, faut... faut appuyer. Voilà, 1h12 et 55 secondes. Voilà, magnifique bruitage d'une espèce de serpent qui ressort de son trou. Voilà, ils ont enregistré des cochons. Hein. C'est magnifique. Ah, et là, très beau travelling de la caméra. Voilà, ça montre un peu le...
le niveau, ce qui nous attend dans la prochaine partie. Voilà, donc là, on a l'impression que c'est un drone qui filme. C'est un géomètre qui montre l'étendue du travail. Et voilà, quand c'est un géomètre, il n'y a pas le savoir-faire d'un caméraman, donc ça va un peu trop vite. Et ça donne un peu la nausée. Ça en VR, je vous dis pas. Donc là, voilà, Fireflav essaye de viser le PNJ qui est. Enfin, le PNJ, l'ennemi qui est. Tout au bout là. Ouais, donc ça c'est à 1h13 et 55 secondes, je préfère me le redire. C'est un décalage. Voilà, Fire to Fire. Ouais, 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 je vais vraiment essayer de le. Lui en mettre. Et le dernier caillou ouais. Passe. Et c'est magnifique, wow. C'est que je fais même pas attention quoi, je suis au calé LM quoi. Au KLM. Au calme. Et là je termine par m'amuser un peu et puis de. Et la vidéo se termine sur un magnifique tableau. Voilà avec petite sauvegarde des familles. Pourquoi on re-sauvegarde encore là? Il y a eu deux sauvegardes. Ah, quoique. Ah non, c'est. Ouais, ok, la date. Ça ne met pas l'année. On rappelle que le jeu a 17 ans, parce que je crois qu'il est sorti en 2003. Vidéo test. Prochainement. Voilà, Fireflav voulait s'amuser et se mettre sur l'espèce de torche là. Ouais, c'était pour faire le tableau final. Faire le tableau final, le magnifique tableau final. Bilbo ne titube pas hein, malgré le fait qu'il soit. Découvrez YouTube Premium. Découvrez YouTube Premium. Du placement de produits. Voilà le tableau final magnifique. À l'arboyeur pour. Et il se fait chier. De nouvelles aventures. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. À l'arboyeur.